sorry to be honest, but I'm so tired of the way I make myself feel. I know it's... Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai la voix cassée. Nous sommes actuellement lundi matin. J'ai commencé ce vlog hier, il me semble. Voilà, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Moi, je suis contente parce que j'ai repris un peu la salle la semaine dernière. Donc en léger, j'ai fait 2 séances. Et donc voilà, là on est lundi, j'attaque. Et voilà, je commence le programme de Allo Alaya. Donc je suis super contente, en plus ça fait longtemps que j'avais arrêté le sport en salle du moins. Donc je vais recommencer avec son programme. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Donc je pense pas que je vais filmer dans la salle. Mais voilà, je vous récupère après. J'ai ramassé toute la pile d'affaires qu'il y avait dans le salon. Je vais ranger un peu le temps que la soupe cuise. Hello, focus, non mais un fantôme quoi avec la lumière. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Hier je devais vous prendre avec moi pour la journée avec donc du coup mon rendez-vous fournisseur / atelier pour Oz. Du coup j'étais tellement je me disais désolée, il y a un peu de vent, j'espère que ça ne me rendra pas trop à la caméra. Je disais hier je voulais vous prendre avec moi pour tous les rendez-vous, mais finalement ça s'est enchaîné et j'ai même pas pensé à filmer tellement on était pressé et qu'on a enchaîné tous les rendez-vous. Donc good news, si vous me suivez sur Instagram vous avez dû voir, j'ai signé en agence d'influenceur. Donc je suis super contente, j'avais déjà été contactée par 2-3 agences malgré que je sois un petit compte, mais là franchement j'ai adoré l'ambiance, c'est vraiment familial. Je suis super contente et puis on verra, voilà ce que l'avenir nous réserve. Quoi d'autre? Aujourd'hui je retourne en fait au sentier encore pour un rendez-vous encore fournisseur tissu. Donc je suis en train de créer un modèle pour Oz, je le veux très très soirée. Et donc c'est très compliqué de trouver un beau tissu qui soit pas non plus hors de prix. Parce que c'est ça le problème avec moi, c'est que j'ai très envie de faire de vraiment de très belles choses. Et finalement en fait ça coûte très très cher, trop cher, et puis après je pourrais pas le vendre à un prix qu'on puisse acheter quoi. Donc voilà. Quoi d'autre? Après je vais shooter avec Kenza. Elle a une collab, elle doit faire un Reels, moi aussi je veux shooter. Mais bon je suis un peu fatiguée donc je me suis habillée très casual, je sais pas si je vais shooter ou pas. Comme la lumière c'est n'importe quoi. Et donc voilà, moi je vous emmène avec moi, on va aussi dîner ce soir, je vais aussi passer à l'agence. À chaque fois je crois que j'ai des petites journées mais en fait j'ai 1000 trucs dans ma journée. Demain et après-demain ça va être plus slow, j'ai juste des envois à faire pour Oz et beaucoup d'ordinateurs. Donc les journées comme ça, quand j'ai passé en début de semaine busy où j'ai pas arrêté, je les attends bien. Donc voilà. Nobody deserves a lot of.
passer à l'agence. On vient de shooter un petit look, donc vraiment, comme je dis, je suis casual, mais c'est sympa. Je suis casual, mais le look est mignon quand même. Je vous mettrai la photo ici si jamais elle est déjà postée. Et donc voilà, là on s'apprête à un événement Oscar de la Venta. Alors, madame me prévient que maintenant je suis habillée comme ça pour Oscar de la Venta, s'il vous plaît. C'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est belle quand même. Ouais, écoute, donc voilà, on y va. Ensuite, on va dîner au Camando. On va dîner au Camando. Je sais pas ce qu'on va manger. On va manger une burrata. Un burrata, comme d'hab. Burrata aux truffes. Mais un jour, on va se transformer en burrata et en pâte. Non, mais non. Sérieux? Ma vie, je mange de la burrata. Moi aussi. Ouais. Et donc voilà, je vous laisse avec des petits plans de la montagne. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. J'adore, elle nous l'a fait, hein. J'ai envie de l'essayer. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes samedi. Je m'apprête à aller à la salle. Je sais plus quand est-ce que j'ai vlogué pour la dernière fois. Il me semble que c'était jeudi ou hier. Bref, j'ai une semaine très chargée pour changer. Du coup j'ai été à la salle que lundi. Mais franchement j'ai été active, j'ai fait du yoga, j'ai été courir. J'ai juste rien fait jeudi et vendredi. Donc normalement le week-end je suis en off, mais là j'ai bien envie de bouger mon corps, je sens que j'en ai besoin. En fait quand je fais pas de sport, mon corps il est fatigué, j'arrive pas à me réveiller. Donc voilà, on va y aller. En plus dans ma nouvelle salle il y a sauna, hammam, donc franchement ça va me faire trop du bien. Ensuite je vais refaire mes ongles. Hier j'étais sur Pinterest en train de scroller, je sais pas trop ce que je vais faire, je pense que je vais faire du rouge. Alors, ça fait 1000 ans que j'ai pas fait du rouge. Donc voilà, let's go.
essayé d'éteindre un petit sauna. Je suis trop contente, ça fait trop du bien. Le hammam il marche toujours pas, genre je me suis inscrite, ils m'ont dit vous inquiétez pas, le hammam il sera rétabli la semaine prochaine, il est toujours pas rétabli. Bref, je viens de me faire un petit lunch un peu light midi parce que hier j'ai mangé chez ma maman et on a mangé mais grave. Donc là j'ai même pas très très faim, donc je vous montre. J'ai juste fait une salade, il me restait des haricots verts cuits déjà dans mon frigo. J'ai mis un peu de thon, un peu de concombre et j'ai fait cuire 2 œufs. Alors en ce moment les œufs ça me fait un peu mal à l'estomac, enfin ça fait longtemps que j'en ai pas mangé et je vais refaire un test. Et donc voilà. J'ai bébé, elle me tue. Je vais manger ma salade devant une petite vidéo de Stelle, elle me tue. Voilà, voilà. J'ai pris des articles que je pouvais retrouver que à Monoprix. Donc à savoir le pesto vegan, j'adore. Pour moi la marque Varilla c'est le meilleur. Des pâtes sans gluten, du pain protéiné sans gluten. Donc ça franchement les macros sont top. Il y a quand même 15 grammes de protéines au 100 grammes. C'est sans gluten donc on va tester. Et j'ai pris les fameux Beyond Meat. Donc je crois que je les avais testés il y a longtemps mais je ne me rappelle même plus du goût. Donc on va retester. Et les nouveaux fermiers, j'ai pris les aiguillettes végétales. Les aiguillettes végétales. Donc on verra bien. Voilà. Sinon là il doit être à peu près 19h. J'ai un resto à 22h30. Donc avec mon chéri, je vais me préparer. Enfin, je vais me reposer tranquille parce que finalement j'étais à la salle. J'ai juste mangé un petit truc, j'ai fait mes ongles, j'ai fait les courses, je suis rentrée. Je me suis pas posée de la journée. Non mais c'est peut-être. Voilà, du coup je vais me poser un peu, sûrement regarder 2-3 vidéos YouTube et ensuite je me prépare et je pense que je vais finir ce vlog ici. Je vous mettrai peut-être quelques plans du resto mais voilà, je sais plus où j'en suis. Donc vu que je commence à peine, je vais m'arrêter là. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me motiver, à vous abonner. Voilà, soyez clément, c'est normalement ma deuxième vidéo, il faut que je monte la première. Donc voilà, je vais essayer de m'améliorer en sachant que vous savez, j'hésitais vraiment à me mettre sur YouTube parce que voilà, j'ai pas genre la maison goal, instagrammable, super belle forcément à mettre sur YouTube parce que voilà, on est un peu en transit et que chez moi c'est mis un showroom house, mis un bureau, mis ma maison et que ça fait 50 mètres carrés. Donc voilà, en plus je voulais un peu améliorer la déco mais du coup à chaque fois on se disait on va pas partir mais là on va pas partir donc je vais un peu améliorer la déco, je vous emmènerai avec moi pour ça, voilà, peut-être que ça pourra intéresser et donc voilà, je vous fais des gros bisous, faites attention à vous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, ciao ciao.